Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. Quelques petites choses pour commencer notre session du jour. Donc nous avons effectivement. Merde, j'ai oublié de faire une chambre. Bah non, c'est. Bon, j'ai oublié pas. J'ai pas fait les chambres. Enfin, je les fasse. J'ai oublié de faire les chambres pour les gosses. Ils vivent toujours en camping dans leur maison. Petite chose concernant les tombes de notre famille. Parce que la semaine dernière, Nunu. L'héritière de la gênée grise a mouru. Tiens, tu vas faire le ménage, toi. Voilà, tu vas servir à quelque chose. Je suis allée récupérer les tombes de la famille pour que ça casse pas l'arbre l'arbre familial, quoi. Donc, j'en ai récupéré. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai. Bah, ça, on sait pas qui c'est. Ça, c'est Seth. C'était le mari de Pepper. Donc, cette première génération. Pepper. Cucu les copains de YouTube agent 21 boule, suçon, lave hôtel, cœur. Merci, madame Musée. On a Bordeaux et Macy. Mais le souci, c'est que j'ai pas les tombes de Pulco et Nathalie. Coucou YouTube. J'ai bien Nuage et Adonis ici. Ouais, vous voyez pas avec le chat, mais vous voyez quand même que c'est un petit peu marqué. Et je n'ai pas trouvé les tombes de Pulcote et Nathalie. J'ai re-regardé mon épisode et au moment où ils sont décédés, je les ai donnés à Nuage. Nuage qui est décédé la semaine dernière. Problème, c'est que ben. C'est le bordel dans la baraque. Il y a des trucs qui puent partout. Oh! Regardez! Il y a une assiette qui vole! Quel bonheur. Encore un bug. Bah, tu veux manger, s'il te plaît? Donc, en gros, je n'ai plus le. Je ne sais pas où est passée la tombe de Pulco. Donc, malheureusement, je pense que notre arbre généalogique, à partir d'un moment, va casser. Et qu'on ne pourra pas retourner très loin. Donc, c'est bien dommage. Eh oui, Nunu est morte la semaine prochaine. La semaine dernière, c'est pour ça que tout le monde est triste, en fait. Voilà. Elle est morte la semaine dernière. Après, elle est venue à la maison nous faire un petit peu de Karate Kid avec ça. Hein. Souvenez-vous, hein. Elle avait encore la forme, la vieille, hein. On a des petits copains. Oh, salut, salut de Salut baisse. les copains de la rediff. Salut baisse sa tristesse dans la dans le machin. C'est le bordel dans cette baraque. Donc en gros, la semaine dernière, on a fini la. Pourquoi il y a un gâteau? Il y a un truc que j'ai pas saisi. Attendez, non, bah non, tout le monde a vieilli là. Il y a personne qui fête son anniversaire. Lui, c'est non. Elle, non. Parce que la vieille la semaine dernière, elle c'est pas encore son jour. 2 jours. Et Fox, il vient de grandir aussi. Ok. Bah je ne sais pas pourquoi il y a un gâteau. J'ai cru voir qu'ils allaient foutre le bordel. Bon, alors aujourd'hui, du coup, on n'a rien à faire. Hein. On va juste attendre que la génération orange grandisse, puisque, ben. Parce que voilà, quoi. Bon, bah, tiens, tu vas venir réparer ça. Tu vas venir réparer ça. Et toi, tu vas finir faire le ménage. Voilà, hein. On va essayer de faire tout ça. C'est le bordel dans la barre. Salut, Sim Sauveur, comment tu vas? J'aime bien, mais je n'aime pas les nettoyer. Et donc à fermer les yeux. Bah écoute, apparemment ça dérange les gens quand t'es obèse alors que tu leur as rien demandé quoi. Bon, commence pas à faire ton relou là, hein. Tu vas briquer le pont, tu vas faire le ménage là, je t'ai demandé, merci. Bon, vu qu'on n'a rien d'autre à faire avant que les gamins grandissent ou aillent à l'école, qu'est-ce que c'est? Oh, lavande! Oh, lavande, elle a tellement pris du poids. Viens, rentre à la maison. Comparé à Lila, qui a gardé une taille de guêpe, elle a eu. Bah, elle a aucun enfant. Elle est un peu comme moi, en fait. Elle est devenue obèse alors qu'elle a pas de gosse. Et des meufs qui ont 4 gosses, et ben, elles sont fines comme pas deux. Mais ouais, mais moi, c'est parce que je suis comme elle. Je suis un peu une gloutonne sur les bords. Je m'empiffre un peu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il lit un livre sur le charisme. D'accord. Faudra que t'ailles te laver, jeune homme. On va se faire chier aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a rien à faire. Donc voilà. Toi, bah va bouffer, hein, je sais pas, fais ta vie un peu. Lui, il pue. Mais qu'est-ce qu'il fait à bouffer encore, le daron, là? Qu'est-ce que c'est? Un bain. Bah, va demander à ta mère, alors. Je crois que c'est ce qu'il a fait. De toute façon, il a demandé à sa mère de pouvoir se laver.
Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais pourquoi tu fais un gâteau encore? Mais qu'est-ce qui... Je cherche plus à comprendre à bout d'un moment, je crois que... Je crois que... Ils sont tous teubés. Oh là là, ils sont tous trus, y'a rien qui va. T'es sûr que t'as fait ménage là, Jean-Pierre? Regarde, moi je vois qu'il y a encore une truc ici qui est hein? Alors? Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, bah tu peux faire ménage aussi, s'il te plaît? Tu te donneras des paroles d'encouragement. Regardez-moi, il a mis son petit costard! Oh, il est trop choupi! Il est trop mignon, ce garçon! Et merci, Laetitia, pour ton follow et bienvenue à toi. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? On a fini de faire des trucs avec toi, en fait. Je sais pas, qu'est-ce que... Je sais pas. Mais vous pouvez pas le ranger, ça, non? On se fait chier là. On va se faire chier aujourd'hui, hein. Tant qu'il n'y a pas les oranges qui soient adolescents. Attends, on se fait chier. Je suis malade et s'il y en a qui me fait chier, je le bouffe aussi. Il y a de nouveaux bugs, les invités qui font des gâteaux blancs dans les parties. Bah là, c'est. Ah bah regardez, il avait ressorti. Mais c'est pas vrai. Mais je savais que je l'avais plus ce truc-là, là. Enfin, ils m'ont jamais fait ici. La semaine dernière, on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Il a jamais fait 10 000 gâteaux, hein. Qu'est-ce qu'on peut te faire faire, toi, dans ta vie? Niveau 6 de charisme. Ouais, va faire du sport, en fait. Vas-y, va t'entraîner à donner des ordres. Recruter des Sims dans l'armée, c'est vrai qu'on avait fait ça la semaine dernière. Bon, j'ai compris. On va remplacer la télé. Qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta sœur? Tu peux pas lui demander demander du conseil. Laisse ton gosse tranquille. Ah, commence pas. Il a à bouffer. Là, il y a du gâteau. Il a qu'à venir bouffer du gâtal. Il va être surex, on s'en fout. Il ira dormir quand même après. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh, pareil, elle va aller bouffer. Allez. Suffit, oui. Ça avait vachement le coup. Nani, nani. Les gamins. Lui, il fait sa life. Elle. Ah, j'allais dire, elle est encore en train de bouffer, mais non. En plus, elle est buggée. Faut changer. Hé, hey, salut Banner, comment tu vas? Elle m'appelle surtout quand je crie quand sur les bambins. Mais bien sûr! Mais bien sûr! N'oubliez pas, un jour, le challenge 7 bambins. Le retour en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir me follow si ça vous intéresse et me voir hurler dessus. Bon, toi, tu vas arrêter. Voilà. Tu me saoules. Mais lui, c'est pas un invité. Lui, il vit ici et il commence à casser les couilles, à faire des gâtales, quoi. Ça va pas y aller, hein. Ça va pas y aller. Oui, bien sûr. Allez, va courir, toi, tu me saoules. J'ai pas envie de te voir. Toi, t'iras pisser, manger après. Et, laisse tes gosses tranquilles au bout d'un moment. Toi, t'as fait tes devoirs. Oh, puis on est samedi, hein, c'est le week-end. Super, je vais pouvoir m'emmerder à aller. Ouais, toi, tu fais tes... Non, mais ils ont déjà fait leurs devoirs, les gosses. Vas-y, joue avec émotion. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, s'ils ont déjà fait leurs devoirs, les gamins? C'est chier. Ah, il faut encore des gâteaux, c'est ça. Ça va, ça va. Ah, t'as encore une insomnie? Ah, putain, je compatis. Cette nuit, ça va, j'ai dormi. Je crois que j'ai pas trop galéré à m'endormir. C'est un bug connu, Charlie, les devs le savent. On verra si c'est corrigé au prochain patch. Oui, mais je veux dire, la semaine dernière, il me le faisait pas, ça. Mais... Lui, je vais aller l'envoyer courir aussi, s'il me casse les couilles. Déjà, si tu manges ça... Ça suffit, oui. Yeah. Va courir. Ouais. Va courir. T'es jamais comme un clou. Qui c'est ça? Amandine Blanc. Oh, elle a des yeux bleus. Viens voir ta copine. C'est peut-être une future fiancée, on sait pas.
Pour les cheveux, on s'en fout, hein, ça sert à rien. C'est quoi ces gosses qui puent la mort? C'est elle qui pue. Tiens, tu vas aller la laver. Donner un bain de mousse à Sunset. Oh, vivement qu'ils aillent à l'école, hein. La vache. Salut Wapsi, comment tu vas? C'est bizarre que Mug, mais moi non plus, c'est pas tout le temps, pas toutes mes... Bah là, écoute, ça t'est pas arrivé depuis Iowa et sa vampire qui venait faire ça toute la nuit. Qui avait fait des gâteaux toute la nuit, là. T'as raison, si tu veux laver la petite, tu vas laver la petite. En tout cas, c'est cool. Non, on n'a pas le temps. Bon, qu'est-ce que t'as fait, toi? Oh là là. Insulte à Marano Douce, mais qu'est-ce qui... Quelle saleté, ce gosse. Tu vois, rien insulté du tout, oui. C'est une possible pondeuse. Ouh, merci, TKS Infinity, pour l'abonnement YouTube. J'ai le bug des Sims qui sortent une tablette de Zessa. Ah, mais non, mais ça, oui, ça, je l'ai depuis perpète les oies, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je t'ai demandé de laver ta gosse. Qu'est-ce que tu viens parler, toi? C'est moi ou c'est ils font chier? Ou c'est moi qui sais plus gérer? Oh, je sens que ça va ils vont me rendre dingue, un peu comme le Legacy. C'est-à-dire, au bout de 5 minutes, je suis déjà en train de râler. J'en ai plus de patience avec les Sims. J'en ai marre. Les gâteaux, la tablette, l'argile. Oh putain, l'argile qui se multiplie dans l'inventaire, même quand il n'y en a pas. Ah, m'en parle pas. Les cubes du futur. Le cube du futur, moi ça va, j'ai pas trop de soucis de cube du futur. Faut rester zen en ce moment. Ah, mais elle est ouf. J'ai ma chaîne avec, il lave plus et le sèche-linge qui sèche plus. Ah ouais, alors ça, moi, le lave-linge, j'utilise pas. Hein. C'est chiant, la lessive. Je l'utilise que dans le Decade et dans l'Urden Lady. C'est tout. Je trouve que c'est pas mal. Elle parle de la pluie. Hein. T'as qui nos propos des notes? Ou ce gredin? Viens faire ton charisme, toi. Pff, il fait des grimaces. Ouais, ma grand-mère. Maisie Grove Craybow. Ah, ça me manque. Les chansons de nuages que je chantais en même temps qu'elle. Pas vous? Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi tu pleures? Putain, il est fatigué. Va te coucher, va. On s'en fout. Dégage. Il est 8h, va te coucher, allez. Les gamins, 8h, ça va au lit. Toi aussi. Ouais, elle va se faire dessus, on s'en fout. Tu vas au lit. Allez, hop. Oh. Trop tard. Trop tard, elle est tombée, la petite. Bah toi, tu peux aller te... Tu peux te laver. Vas-y. Ça va, il s'est déjà passé une journée. On n'aura pas grand chose à faire, de toute façon, aujourd'hui. Tu vas t'enthousiasmer à propos des bonbons. C'est trop bon les bonbons, c'est sucré et tout, puis ça fait du bien dans la bouche. Oh oui, c'est vrai que c'est bon. Quelle conversation. Mais viens. Oh là là, vivement que le deuil soit fini, moi je te le dis. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux... D'accord, tu veux se plonger dans la pelouse. Qu'est-ce qu'il a? Il est taré ce gosse. C'est encore des orages. Et si tu t'ennuies, fais le ménage. Hein. Oh, non mais Lila. Mais tu vas la nettoyer. Ouh! Ah, j'ai cru qu'il avait tapé là-dessus, mais non. Je vais encore taper des bons avec avec les orages, hein. Les éclairs. Je le sens bien. Les duos sur les nunus. C'est ça, mais moi je n'ai aucun de ces bugs. J'ai les Sims, c'est leur foutu verre d'eau, c'est tout. Par contre, c'est l'enfer, ils m'en foutent partout. Ah, bah chacun a ses bugs, tu vois. Moi j'ai. À part le cup du futur, j'ai tout le reste, hein. Gainsbourg conseillerait une certaine variété de sucettes. Ouais.
Je déteste l'anis en plus, ça pue. Tu peux être lavé, toi, cocotte. Pourquoi tu veux manger du gâtal? T'as pas faim? Qu'est-ce que c'est gosse? Qu'est-ce que c'est que ces gamins? Qu'est-ce que tu veux faire? Taper dans le fond? Bah non, tu vas pas taper dans le ballon de foot. Si tu veux, tu peux me faire servir le dîner. Du bar grillé, tiens, vas-y. Non! Je veux que tu fasses à manger. Toi, t'as le droit de faire à manger. Qui c'est ça? Non, mais on te connaît pas? Dégage! J'en ai marre des randoms là, qui viennent à la porte, alors. Merde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hop, ça, hop. La famille dépression plus 1000. Ah bah ouais, hein, en attendant que le souvenir de Nunu, ça va, une bonne nuit de sommeil et puis on n'en parle plus. Pendant qu'on doit se faire chier comme ça avec les gamins en attendant qu'ils grandissent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va augmenter l'empathie. Qu'est-ce qu'elle a? Tu vas te coucher après. Non, et d'où il a sorti son jus d'orange lui aussi? Ils sont indisciplinés ces gosses, hein? Qui c'est qui a pas fini le... Ouais. En même temps, c'est normal qu'ils l'ont pas fini, il est pourri le bazar. Plus personne n'a faim? Si. Elle. Allez, tu vas te lever. Tu vas venir manger ça. Oh là là, mon dieu, je suis triste. Oh mon dieu, il y a des orages. Quelle horreur. Lui, il dort, c'est bon. Allez, elle va se coucher. Lui, il va se coucher. Elle mange. Retire à te coucher, hein. Lila, on n'a plus besoin de toi, maintenant. On a fini avec toi. Alors, tu vas me jeter tout ça. Hop. Arrête avec ta gosse. Fais le ménage. Tu peux rappeler les règles de la régénération orange. Alors, je vais les chercher parce que je ne les ai pas sous les neiges. Alors, si, en fait, je me suis rendu compte que j'avais imprimé mes règles du Notsoberry. Mais alors, il y a longtemps. C'est-à-dire que je pense que c'était au moment où j'ai découvert ce challenge. Mais que j'avais pas du tout l'intention de le faire en vrai. Et non, je les ai retrouvées dans ma pochette spéciale Challenge Sims. Alors, ça doit être là. Elles sont là, les règles de Notsoberry. Donc, voilà. Comme ça, j'ai même pas besoin d'aller sur le forum. Du coup, j'avais tout imprimé à l'époque. C'est trop rigolo parce que je m'en souviens pas. Alors, jaune. Orange. Vous êtes le vilain petit canard de votre famille. Et vous avez été élevé dans une famille trépidante. Vous avez toujours causé le chaos. Mais vous n'arrivez pas à être maléfique. Vous aimez pénétrer chez vos voisins et manger leur nourriture. Vous aimez vraiment cuisiner et passer la majorité de votre temps libre à manger des douceurs. Aspiration, ennemi public, trait de caractère, malveillant, confiant. Confiant ? Les gloutons, bah c'est pas ce qu'il y a sur internet. Je sais pas d'où je l'ai imprimé, alors je m'en souviens pas. La 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 la. Alors sûr de lui. Ah oui. Bah c'est un autre set qui avait dû dire confiant, mais c'est sûr de lui. Et glouton, carrière criminelle, règle maximum de la compétence charisme et cuisine pâtisserie. Vivre dans un appartement avec le trait de travaux nécessaire pendant toute la période de jeune adulte. Avoir des jumeaux et seulement des jumeaux. Insister sur le fait d'être mauvais, prétendez-vous criminel, mais personne ne vous croit, même pas vos enfants. Carrière maximum criminelle, compléter l'aspiration ennemi public. Voilà. En somme, charisme et pâtisserie en max. Compléter l'aspiration ennemi public et maximum de la carrière criminelle. On l'a fait il n'y a pas longtemps avec Alex, du Legacy. Donc. Ah bah, c'est remis à tricoter! Ouais, c'est fini, t'as plus de bébé, hein. Enfin, si, t'as un bambin, mais t'as des bambins. Elle m'a tricoté un truc de bambin, médiocre. Grenouilleur pour bambin, vaincu par un motif grenouille. Bah, allez, tu vas le mettre à la garde-robe, ça fera des fringues en plus. Hein. Pourquoi? Est-ce que vous, ça vous fait ça?
d'avoir des milliards de tas de déchets dans votre inventaire et de tas de nourriture aussi. Et du coup, on peut rien en faire, ça reste là. Alors, tu laisses ta gosse tranquille, tu vas pisser. Il est 5h30 du matin. Mais gamine, va au lit. Toi, il se lève à 5h30 et lui, il n'a pas dormi. Oh putain, le pauvre, il est pas vu. Ah, le pauvre Dan, je l'ai laissé devant son miroir toute la nuit. Ah, le pauvre! Des bisous, château, à bientôt. Organiser un dîner de prépare du Ningfugu de mauvaise qualité pour tes invités. Pourquoi faire? Et c'est moi là. Pourquoi tu dis que c'est toi là, blonde? Nuit blanche pour Dan, c'est ça, le pauvre là, il va pas s'en remettre. Après, ça va, il est dimanche, il travaille pas. Oh putain, mais elle a cassé le truc! Mais t'es... Ton mari va avoir besoin là. Nettoie avant qu'il en ait besoin. C'est plein de problèmes. Hop, tu mets ça là. Non, ce qui paraît que t'es doué de tes 10 doigts. En faisant quoi, j'en sais rien. Ah, tu vas te coucher. Voilà. Comment ça? Ça y est, tu sais plus aller dans ta chambre? Va dormir. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa sieste, là. Grognasse! Dormir! Quoi, qu'est-ce qu'il a, mon truc, il respecte plus ce que je lui demande. Allez, tout le monde, allez vous coucher, là. J'ai plus envie de vous voir. Oh, la poubelle. Dégueulasse. Après, tire à te coucher. Allez, hop, comme ça, tout le monde dort. Ça va nous faire passer le temps plus vite. Bah non, finalement. À 3 cm du lit, elle a décidé de s'écrouler à côté. Merci! C'est gentil. Elle va mettre sa tenir droite. Effectivement, tu as bien raison. Attends, j'ai pas suivi. Alexa? Alexa, tu manges, c'est ça? J'ai pas vu. Pourquoi je vois pas? Ah non, c'est Marie? Je sais pas. Ah, c'est Marie qui a ses pattes qui sont prêtes. C'est intéressant. Merci Marie, bonne app à toi. De quoi il y a de quoi s'occuper? Bah non, en fait. Mais. Il est bugué mon jeu! Maintenant, quand j'appuie sur 2, ça me fait reculer! Ah, j'ai verrouillé. Parce que j'ai déverrouillé. C'est bon, c'est moi. Elle a reçu une amende. Trop d'eau a été consommée. Oh la vache! On a deux éclairs qui ont frappé là. J'avais oublié qu'on avait ce truc là. On a même rien fait. C'est moche. On a ça, hein, mais... C'est de la merde. On en consomme toujours autant. Et là, il nous reste pas beaucoup de simflouz, hein, donc on va peut-être pas en racheter un deuxième. Cette baraque, elle fait pitié. Oh. Les pauvres gosses, ils ont même pas un papier peint dans leur chambre. Franchement, Lila, fais ce que tu veux, je m'en fous au point où j'en suis. On va assister ce qui se passe, hein. On va regarder comme ça. Voilà. Ben, on sera obligé de déménager avec l'héritier, quoi. L'héritier qui sera élu, on ne sait pas encore comment. Oh, le petit, il est dégueu. Ah oh, moi, je regarde. Ils font ce qu'ils veulent. Mais non, ça va, ils sont... Enfin, si, un peu pauvres quand même, mais... Ah, tiens. Prune nous rend vite. Je me souviens plus si c'est moi qui ai rendu Prune enceinte ou pas.
Je suis désolée, j'ai encore. Ok. D'accord, la sœur, elle est juste venue pour finalement dire qu'elle devait partir. Oh putain, lui, il a faim aussi, la vache. Bordel. Y'a rien qui va. Prunette, un pruneau, c'est ça. Prunette est dans un... Mais je sais plus si c'est moi qui l'ai fait tomber enceinte ou pas. Bon, bah vous êtes bon pour un hockey, hein. Ça va être un gameplay absolument incroyable et assourdissant. Toi, tu vas venir manger aussi. Toi, tu vas aller pisser. Oh, l'empathie. Pour arriver. Ah bah, trop tard, il n'y a plus à bouffer. Mais va te... Mais va te laver, dégueulasse. Tu vas prendre à tes gosses, tiens, à être bien appris. L'enfer. Mais non, si tu fais exprès d'avoir le hockey, je lui ai dit que malheureusement non, et là elle essaye d'octer en même temps que toi. Malheureusement non, je l'ai tous les jours, mais je ne fais absolument pas exprès. J'aimerais beaucoup l'éviter, mais c'est comme ça, donc je vis avec. En ce moment, il revient bien en force. À une époque, je l'avais pas plus tant que ça, et en ce moment, il revient. Je sais pas trop pourquoi, mais... C'est le bordel. Je ne gère rien du tout dans cette maison. Ah ! Oh non, mais Fox ! Mais va te coucher si t'es fatigué, bon sang ! Saleté, oh. Qu'est-ce qu'on va bien faire d'eux ? Il doit apprendre le charisme et la pâtisserie. C'est encore des enfants, hein, je peux rien faire avec eux. Mais si t'ennuies, tu fais ça. Hein. Oh là là ! Oh, c'est pas vrai, mais c'est le chaos. C'est le chaos. En fait, je mets en vitesse 3 et je rattrape leurs conneries. Parce qu'ils sont pas foutus de faire quelque chose de correct. Mais arrête-toi de faire à bouffer ! Tu me casses les couilles au bout d'un moment ! Oh ! Excusez-moi. Regarde un film, j'en sais rien, regarde télé, tu me saoules. Oui, je l'ai souvent ce truc-là. Alors, je suis pas sûre de la connaître, Johnny Bigood. Hein, je veux dire. Coupe temporairement le micro. Adieu alors, à demain. C'est quoi ce bruit? Il faut Pascal le grand fer à ce stade. J'avais demandé. Ah, attends, toi, tu pues, toi. Non, tu laisses ton gosse tranquille, tu vas te laver. Oh le bordel. Moi, qu'ils aillent bosser, qu'ils aillent en cours là. Ça, j'aurais la paix. T'as fait sursauter mon fils, je suis bien. Pourquoi ce que j'ai fait? Cauchemar dans la maison. J'ai rien fait, moi. Allez, j'y peux rien, hein. Je pourrais pas... J'adore parce que voir en accéléré, on gère absolument rien. Et c'est très vite le bordel. Pierre, cette obsession pour les bambins, mais c'est un enfer. Hein. Copper passe faire une phase, va bouffer toi. Et lui, il recommence avec ses gâteaux. Oh, je vais lui faire bouffer. Tiens, prends ton gâteau. Prends. Ouais.
fête l'anniversaire de Sunset. Putain, c'est pas vrai. Mais on va perdre ton os, fric, connard. Non mais sérieux. Gros débile. Je crois que toi, j'ai le hockey tous les jours, même plusieurs fois dans la journée. Ah ouais, mais... C'est pas quelque chose que je veux, mais bon. Je peux rien, des fois. Danny, il a cru qu'on était riche ou quoi? C'est ça. Mais il ira au boulot, ça ira mieux, parce qu'il gagne, gagne bien sa vie, mais putain... Il casse les noix aussi. Bon, tous les gosses sont partis se coucher. C'est une bonne chose. Mais putain, mais... Il finit même pas de bouffer, il veut déjà refaire un gâteau. Tu me pètes les noix. T'es flingué du cul. Va améliorer ton charisme là. Non, c'est... Putain, mais je vais réussir à cliquer sur ce qu'il faut. Je suis désolée pour le hockey. Mais tu peux pas le faire cuire. Quoi, Danny? J'aimerais bien, ouais. Mais non, mais la cuisine, elle est ouverte, en fait. Y a pas de porte. Moi, on peut pas cliquer et interdire. Bordel, on est en x3, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Va jeter ça. Mais pourquoi il y a encore du gâteau ici, putain? Ça, c'est le matin. Oh bah, je m'en fous, hein. il va y bosser comme ça, hein. Rien à foutre. Tu gères que d'elle. Viens faire une sieste. Il a gagné 1000 Simflouz. Tout le monde va au boulot là. Bonsoir, bonsoir la famille Cucu d'amour, cœur. Salut Sianana, comment tu vas? Salut Killnain, comment tu vas? Va dodo Dan, c'est ça. Tu m'as fait trop peur. Mais non, mais c'est... Il arrête pas de dépenser 15 balles à faire ses... Mais putain, mais pourquoi on a baissé encore de 100 simflouz là? Oh la gamine. Dans quel état elle est? C'est le bordel. Oh la bordel, j'en peux plus. Oh non. Tu te dis, allez, un petit moment de calme là, tout le monde va se barrer et tout, et elle arrive toute très, elle pue la mort et tout. Tranquille. Ouais, salut, ça va. Mais arrête, tu vas arrêter de vouloir bouffer. Hein. Je te le dis, hein, tu vas aller bosser. Non, mais le nombre de gâteaux qu'il nous a acheté là, on a perdu 15 simflouz à chaque fois. Ça suffit, hein. Ouais. Sont les gamins, les petits vont aller en garderie, donc on va être tranquille. Garderie ou nounou, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que la nounou, on va s'énerver, on va la regarder faire, on va s'énerver. Oh, soirée amateur. Enfin, Lila a décroché un vrai spectacle. Bon, c'est une soirée spéciale amateur et tous ceux qui en ont le courage peuvent participer, mais Lila est officiellement sur la liste des artistes. Doit-elle inviter des amis ou considérer cette soirée comme un coup d'essai privé? Est-ce qu'on invite des amis ou on garde le secret? La pauvre chat a des mouches. Oh, quand même. Garderie, doudou, garderie. La nounou, elle sert à rien. Doudou, elle fait n'importe quoi. Garderie, va aller garder. Ouais, garderie, ok. Ok, je vais garderie, là. Il te faudra un bon orage des Sims, ça te pourra te faire passer, ok. C'est ça. Putain, mais il reste, hein, sans foirer en plus, hein. Des bisous Céline, bonne soirée à toi. Et garderie, maintenant il est encore là. Alors on invite, merci à Anaïs d'avoir suivi, gardez le secret. Je meurs de vous. Va te noquer. Va te noquer. Va te noquer, bien sûr. Oh putain.
Pardon. Eh ben écoutez, j'ai éclaté une déjante de ma voiture à cause d'une connasse qui m'a refusé la priorité et qui cesse de sauver, mais tout va bien. Visage qui pleure, geste de prière. J'espère, oui, que tout va bien. Mais si c'est de sa faute, j'espère que t'as fait un constat et Vilain, ok. Qu'elle va bouffer. Hein. Vilain, ok, ouais. Vilain, ok. Vieux des amis, ouais. On est plutôt sur. Attends. Je sais plus, là, j'arrive plus. C'est trop. J'arrive plus à savoir qui a voté quoi. Oh putain, ce hoquet de ses morts là, j'en peux plus. Alors, invite. Secret. Secret. Invite. Invite. Trois invites. Trois invites et deux secrets. C'est la journée des gens cons. Bah ouais, regarde, je suis là. Bon, allez, on invite des amis. Hein. Waouh, Lila a vraiment des amis extraordinaires. Tout le monde était là. Dommage que personne n'ait ri. Mais ce sont quand même des amis extraordinaires. Garderie. Et hop, dégagez. Foutez le camp. La vache. Tout ce qu'il y a. A rencontré Christian. Mon dieu. Avec un prénom pareil, ça fait rêver. Alors, projet scolaire. Allez. Voilà. Ah mais fallait dormir mon petit hein, au lieu de faire je sais pas quoi là. Il fait beau, tu vas aller dehors faire ton projet scolaire. Eh, hey, tu viens, tu te dépêches. Et toi aussi. Hop. Tant pis. Fallait vous laver et tout ça quand vous avez ce matin. Hein. Tant pis pour vous. Hein. Exploitation des gosses. Et bon af! Bon axe, j'allais dire bon app, Alex. Je veux pas que tout le monde soit mort à mon retour. Ah bah écoute, pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Tu vois bien qu'ils arrivent pas à se gérer. C'est sauvé d'aucune témoin. Et j'ai pas eu le temps de choper la plaque. Donc... Oh non! Ah oui, j'ai pas vu sauver. Oh la biatch. Voilà, on a un peu renfloué les caisses en attendant que monsieur ne fasse pas encore 10 000 gâteaux. Par contre, il a faim. Donc il va prendre un gâteau et il va se coucher dans sa chambre, faire une sieste. On s'en fout de toi, on te connaît pas. Maman, qu'est-ce que c'est, arrête, mais c'est bon là, oh! Merde, hein! Prends un morceau aussi. Toi, oui. Comment ça, toi, t'es parti... Mais d'où t'es parti te coucher, dans... même pas dans ta chambre en plus, petit con? Mais pour qui tu te prends? Alors, fais ta sieste, ok? Et après, tu reprends. Non mais, ça va, là! C'est que ces gosses, là. Oh, les... Oh, la vache, putain, sa mère, aussi. Viens manger un gâteau. Faut... En fait, faut toujours... Enfin... Voilà, faut, tu peux pas ne pas les gérer, ces Sims. C'est impossible, ils sont trop cons, ils savent pas se gérer. Après, tu vas t'y repisser. Après, tu iras laver la gamine. Sunset. Voilà. On va réussir à rattraper un peu le délire. Et lui? Et après, il a besoin de... Ouais. Ils savent pas s'amuser, ces gosses. Ils sont trop bêtes pour s'amuser. Hop, allez, dormir après. Ils ont des jouets plein la baraque, mais non. Enfin, plein la baraque. Peut-être qu'il en a pas sur lui, ce pauvre gosse. Ah non, mais il a pas de jouets. Mais pourquoi ils ont... Bah, eh, c'est elle qui carte tous les jouets, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, t'as des jouets à donner à tes enfants? Même pas. Et papa, papa, il garde des jouets. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu? Ah bon sang. Papa, il garde les jouets, il garde les gâteaux aussi. Non mais franchement là, que fait-on? Que fait-on du monde? Ça va te coucher, petite conne. Allez, va dormir. Maman, elle va nettoyer après. Il est parti faire ça. Maman,
Tu vas aider pour le projet. Ah, elle a fini son projet! C'est cool! Tu vas le mettre dans ton inventaire. Ensuite, tu iras prendre un bain. Après, tu pourras manger ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il dort carrément. Oui, tu iras après. Finis ton projet, là. Quel bordel! Ah oui, c'est moi qui lui ai donné le gâteau, c'est vrai. Oui, bah il fait chier avec ses gâteaux. Oh, mon voisin m'a vu en galère, il m'a mis un roue de secours. Moi, je sais pas. Et comment ça s'est passé la première journée de ton mari, du coup? Elle va faire ça. Après, tu pourras jeter ça. Copper a terminé. Oui, Copper a terminé. Bravo, le petit choupi. Et tu vas pas aller pisser. Tu vas pas aller dormir sans pisser, mon petit. Et sans manger. Après, tu vas manger. Et après, tu iras dormir. Tu te laveras demain matin. C'est pas grave si tes draps, ils putent. Voilà, c'est bon. On va commencer à rattraper le bordel parce que là. C'est l'enfer. Tiens, à te coucher. Mais elle. Elle se fout de ma gueule aussi. Je lui demande de regarder la télé, elle va se coucher. Pour une meuf qui a un trait où elle a pas besoin de dormir, quoi. Dors! On s'en fout que tu pues! Fallait te laver ce matin, hein. Pas mon problème, ça. Déjà, elle va grandir. Elle va devenir une enfant. Coué pipichou. Tu veux pas aller trop tard. C'est déjà une enfant. Attention. Alors, on va mettre ça et bah, elle va être sûre d'elle, celle-ci. Hop. Voilà. Elle va pisser. Écoute, on n'a pas de chambre pour toi. Pourquoi Alicia? C'est qui Alicia? Qui est Alicia? Pour toi, ma chère. Ah, c'est sa tante. D'accord. Oh, Pulco! Pulco de la Vega! Non, c'était Diego. On voit du rose, du orange et du gris. Ouais, hein, ouais. Ça continue de se reproduire dans la famille, vous inquiétez pas. Bah, va bouffer! Oh là là, quel drame dans ta vie! Tire à essuyer, tiens, après. Ça fera les pieds. Ah, ça, vu que papa il a fait 40 gâteaux. Il est en formation facilitée parce que leur formation est mal foutue. Anna t'explique le logiciel, mais sans que tu puisses. Eh ben, j'ai pas eu le temps de finir la suite. Mauvais anniversaire, Sunset. J'espère que tu passeras pas le prochain. Oh! Oh, la vilenie! La vilenie! Tu vas me faire ça, s'il te plaît? Eh, tu pourras jouer, lui parler, réconforter, raconter une histoire, voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Pleurer et triste. Oh, il n'y a pas eu mon gâteau d'anniversaire. Je suis la mal aimée. Je suis la mal aimée. C'est passé trop vite. C'est la vitesse 3, j'ai pas capté qu'elle était, elle allait déjà grandir. Putain, mais elle aussi, elle veut faire des gâteaux. Mais sérieux, tu me pètes les couilles. Mais j'ai pas cliqué sur la porte là! Mais arrêtez de bugger, messieurs, dames! Ah, c'était à cause de la porte de derrière. Mais va manger! Mais cuisine pas! Il y a 40 000 gâteaux, on a dit! Putain, mais il y a. Là, tu vas faire à manger.
Oh, tu vas faire ton divertissement, tiens. Tu vas jouer avec ta voiture. Toi, tiens, tu vas faire tes devoirs. J'ai oublié de faire les devoirs au gosse. C'est tellement passé vite. Allez, va jouer. Il n'y a rien qui bat. Oh la vache, c'est l'enfer. D'habitude, je gère bien mes Sims. Mais comme là, on se fait chier et qu'en attendant, ben voilà quoi, en attendant. Chacun aller à l'école. Et toi, tu dois pas aller à l'école. Hein. Toi, tu vas aller à l'école par contre. Putain, ils vont tous puer mes gamins. Il n'y a rien qui va. Là, les saoulés, les énervés. Qu'est-ce que tu veux toi? Toi, t'as faim. Laisse ton gosse. Ah si, oui, tu peux le laver, le petit. C'est le dernier en même temps. C'est le dernier petit. J'ai loupé la nuit de Sunset, elle a vieilli comme dans Lord and Lady. Oui, elle a, bah oui, là, j'ai zappé que c'était déjà son anniversaire, elle vient de grandir là. Elle vient de pétiller. Bravo, Ton! Bravo, copain! Tu as fait un petit truc de l'école. Bravo! C'est pas l'apocalypse, c'est toujours... C'est toujours l'apocalypse. Bon, quand elle aura fini de faire sa bouffe, il sera 8h du soir, elle. C'est pas comme si toute la baraque avait faim. Allez. Allez, tout le monde pourra aller manger. Vous avez remarqué que j'ai plus loqué, hein. C'est assez bien. Il peut tirer à manger aussi. Allez! Pourquoi il y a une voiture qui est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le mal aimé. Oh, il a mis son petit costard. Au moins, il est propre. Ça devrait revenir dans le nickel, là. J'ai à peu près géré. Sauf s'il y en a un qui décide de pas écouter ce que j'ai à dire. Toi, tu vas souffrir, toi. Je vais te tuer. T'es juste intéressant dans ce challenge parce que pour donner des gènes... Et pour donner de la thune maintenant. Et tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout le monde a mangé, je range. Lui, il part. Dégage. Garderie. Oh. Y'a que elle qui est là. T'es sûr que tu veux pas aller à l'école, toi? Ouais, pleure. Pause déjeuner. Elle a environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Que doit-elle en faire? Est-ce qu'elle va à la salle de sport? Est-ce qu'elle lit les blogs de conseils de carrière? J'ai faim, là. J'ai faim. Des racistes, des gâteaux. J'ai pas pu comprendre. Obéis, homme, fais ce que je te dis à mon tour. Attends, c'est lui qui casse les couilles depuis le début, là. Je vais te tuer. Bien sûr que je vais le tuer. Ah, on n'est pas dans le Legacy? Zut. Conseil de carrière. Merci. Au moins, il y en a qui suivent. Conseil, allez, c'est plus de conseils de carrière. Allez, hop, je clique. Gain de performance. Nous n'avons plus de... Oh là là! Que va faire cet enfant? Bah, tu vas faire le ménage. Après, si tu veux, tu pourras faire une sieste. T'as raison. T'as une assiette là encore, hein? Gros gourdasse. Tu la nettoieras après. J'avais des envies de meurtre, que veux-tu? Ah bah c'est hier, avec le Sims médiéval, on a tué des Sims. On avait pris le pouvoir avec notre roi Arthur. Du coup, ça m'a donné envie. Ah ouais, on invite tout, nous. On juge. On jauge et on juge. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te divertir? Eh bien, divertis-toi. Oh, lui, il est dégueulasse. Oh, le frère, il est dégueulasse. Tu vas jouer avec tes émotions, là. Ça va, ça passe, il a des yeux bleus. Ah,
toi, tu vas te laver parce que tu pues. Et je suis le mal-aimé. Ouais, elle rentre tranquille, elle est habillée comme un clown, mais tout va bien. Et je suis le mal-aimé. Et Rolex. Que va faire cet enfant dans le ménage? Bah écoute, qu'elle serve un peu, hein. C'est une fille après tout. Hein. Quelle horreur. Je suis affreuse. Bon alors, il est baisable ou pas ce petit? Enfin, pas maintenant, hein, mais pour plus tard. Mais ouais, il a des beaux yeux bleus! C'est tout ce qu'on veut, nous! Nous, on veut des yeux bleus! La descendance! Ouah, nous avons ici un kikoulol. Je sais plus comment on appelle ça déjà. Un Nemo. Ouais, c'est pas comme le poisson. Hein, c'est que des dramas, hein, ces gosses. Que des dramaturges. Plutôt pire. C'est pour ça que j'ai dit pas maintenant. Avec bot ban pas si je spam en plusieurs fois la même lettre. Ah bon, j'ai toujours dit à nos enfants faut le faire mais faut que ça serve plus tard. Bah bien sûr, quel intérêt. Quel bonheur, Fox est rentré de la garderie. Oh bah, il ira s'amuser avec ça et ça. Tiens, hop. Allez. Non, pas demander de l'aide pour la tour, on s'en fout, tu vas le faire tout seul. Voilà. Maman! Maman, elle pue. Maman, elle va aller se prendre une douche. C'est le bordel. La 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 la. Comme il n'y a pas d'électricité. Elle était promue! Bah ça alors. Incroyable. Elle est au niveau 2 du coup. Non, j'ai pas fait pour hein, qu'elle soit promue, hein, mais elle a été promue quand même. Bon, bah ouais. Tu grandis quand toi? Ah, ça devrait aller au prochain live, on devrait avoir notre premier ado. Tant mieux. Alors, lui, je vais le surveiller parce que je le connais, il va faire des conneries. Et, toi aussi, t'as besoin de... Bah tiens, va faire ça. Et pour te divertir, moi je sais pas, hein, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tant qu'on n'a pas de jus, tu pourras pas te divertir beaucoup. Pour raconter des blagues à tes enfants. On n'a pas trop regardé sa bouille, elle. Oh, qu'elle est jolie. Oh, qu'elle est mignonne. Oh, qu'est-ce qu'elle est choupette. Elle est choupie. On va comparer avec sa sœur. Sa sœur, elle a fait la gueule. Elle va pas être méchante, mais. J'ai l'impression de voir Sansa Stark, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu fais? Allez voir quoi? Tu vas te prendre le jus, espèce d'idiote! On aurait pu l'appeler Sansa. Nucci! Cradle! Pardon. Allez, vous allez faire des grimaces à votre père parce qu'il a besoin de se divertir. Et que il n'y a pas d'électricité, donc on fait ce qu'on peut. Toi aussi, fais des grimaces à ton mec, à ton mari plutôt, parce que t'es marié avec. Pour le meilleur et pour le pire. Tu peux faire crac-crac sous la douche aussi, ça pourrait servir, effectivement. Pour remonter le divertissement. Ah bah voilà, j'ai pas vu pourquoi elle s'est fait ban, mais j'adore les éclairs, surtout qu'ils sont chocolat. Oh, la vache. Et le fiston aussi va faire des grimaces, allez. Tout le monde s'y met.
Tiens, toi, fais connaissance avec ce jeune homme-là, qui un jour peut-être te fécondera. Sait-on jamais. Qu'est-ce que t'as fait, Tianana, encore? Oh là là, je vous jure, elle n'arrête pas de faire des bêtises. Non, c'est la coupure électricité. Ah oui, merde, c'est parce que j'ai pas la facture. C'est des factures, en fait, je suis débile. Qui c'est la débile? C'est Shirley. Elle a oublié de payer les factures. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Parce qu'en fait, je croyais que c'était le truc là. En même temps, ils nous font une coupure d'eau. Alors je m'étais dit, c'est une coupure d'électricité, ça va avec écologie, mais en fait, pas du tout. Tiens, tu vas... Éduque ton fils, tiens. Tu vas décrire l'esthétique de ton fils et tu vas lui dire... S'il vous plaît, merci. J'ai eu du mal, hein. Merci, Asianana. J'espère que j'excuse, elle ne m'a pas ban, mais j'ai dû le menacer, genre. Elle pue, elle m'a... Mais t'as pas été prendre ta douche! Mais vous êtes témoin! Je l'ai envoyé prendre sa douche, elle a monté les escaliers, je me suis dit c'est bon, elle prend sa douche! Respecte rien de ce que je leur dis, rien. Oh, mais tu me casses les couilles, t'as qu'à respecter ce que je te demande! Ça va, ouais! J'en ai marre, moi! Mais c'est bon toi aussi là. Qu'est-ce que ça veut dire, purée? Mais c'est quoi ces sauvages? Ils ont quoi aujourd'hui là, notre Sauberry? D'habitude ça passe et là c'est le bordel. Ils se sont inspirés du Legacy ou quoi là? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un GeoGuessr. Ah ouais, ça fait longtemps. Les Sims sont cons en ce moment. Non mais laisse tomber là, c'est l'enfer. Qui c'est qui est parti dehors? Personne? Elle, il faudra qu'on lui fasse une chambre. Hein. Celle-là, pour le coup, elle est vraiment dans... Elle est vraiment sous la douche. Hein. Bon, alors je pense que notre deuxième fille va aller là. Parce que quand même... Oui, bah tant pis. Hein. Il y aura... Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre dans la baraque. Ils ont un lit et une lampe anti-monstre. Mais ils ont besoin de rien d'autre? Non, mais ça va bien, oui. Croyez quoi? Ouais, clac. Oh, ça c'est moche. C'est parfait. Ça c'est un peu plus pastel. On va mettre chez la deuxième fille. Et Allez, orange dégueulasse pour le garçon. Voilà, ça fait un peu moins... Un peu moins. Allez, je vais mettre vite fait un tapis. Je vous entends. Tapis, tapis, tapis! Ouais, j'ai compris. Vous voulez un tapis. C'est ça, ces tapis-là, je vais cliquer dessus. Je vais les embarquer, ça va m'énerver. Voilà. Ouais, non, c'est bien, là. Ah, tapis, tapis, tapis. Hop. Oui, ils vont avoir une chambre, mais mieux. Regardez. Oh là là. Magnifique. Incroyable. Magnifique chambre. Voilà. Hein? Ça fait pas... Ça fait moins pourri. Ils ont moins un tapis et du papier peint. Et cette petite, elle aura sa chambre. Ici. Attribuer le lit à Sunset. Voilà. Elle est contente. Regardez, elle est contente. Ah, super! J'ai pu dormir en canapé. Trop bien! Je suis trop contente! Qu'est-ce qu'il fait? Je veux bien que tu fasses à bouffer. Mais fais quelque chose de bon. Elle veut pas te bien, mais je vois ça! C'est impossible! C'est impossible. Une porte. Y a pas de porte. Si, y a une porte. J'avais pas mis de porte au début, mais ils en ont quand même maintenant. Va. La vache, il a été rapide à faire ses pâtes au fromage.
Allez, viens, toi, au lieu de chialer, là. Toi aussi. Hop, allez. L'autre était déjà en train de faire son lit. Toi, va pisser. Toi, viens bouffer aussi. Suffit, les gosses, hein. Moi, je vais vous matraquer. Tout ça, ça grouille de partout, des gosses. Y a que ça. Sachant qu'il y a un truc là pour manger, mais bon, ils viennent tous dans le canapé. Ça va, il n'y en a qu'une qui s'ennuie pas. Mais toi, viens ici aussi regarder la chaîne actuelle. Il m'a refait un gâteau! Ouah, je vais les triper sur la passe plus vite, celui-là. Hein. Je vais le défoncer, sa mère. Hein. Ouh. Hey, fais le ménage, tiens, femelle. Fais le ménage! Ouh, c'est pas possible. C'est le luxe, un lit et une lampe. Attendez. Je t'ai dit, fais le ménage! Lila. Ok, allez, le bug de la poubelle et tout ça est revenu. Merci, ça faisait longtemps que tu ne nous avais pas manqué. Quel bonheur, tu vas aux toilettes. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh ben, tu vas te coucher, t'es fatigué, tu vas dormir. Allez! Pourquoi pas s'exercer à faire manger en faisant des gâteaux? J'en peux plus. Nucci! Cray noho! Vous avez fait vos devoirs là, les mioches? Faites tes devoirs, allez hop! Allez, tout le monde fait ses devoirs. Il n'y a pas de. Mais minuit 20, vous allez faire vos devoirs. Et toi, tu vas te coucher. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? En même temps, elle est pas fatiguée. Hein. Que je la laisse tricoter, elle fait ça la vie. Non, fais tes devoirs. Fais tes devoirs, ça suffit la télé maintenant. C'est quoi ces gosses? Dans la fosse. Oh punaise, ouais. S'il y avait une fosse. Appelle Arthur, il va s'occuper de lui. Je te jure, il me pompe l'air là avec ses gâteaux. Oh. Ils finissent même pas leur assiette. Ils sont dissidents, ces gosses. Ces Sims là. Allez. Lui va se coucher. Non, toi c'est dormir. Ouh là 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 là! Commence pas! Allez, toi avec tes petites lunettes de merde là. Hein. Toi, va te coucher. Dormir. Ouais. Pas une sieste. Non mais dis donc! Putain, mais c'est pas vrai. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule! Lila, la hyperactive. Non, tu sais ce que tu vas faire? Améliorer. Non, tu peux pas. Tu iras te coucher aussi. Tu iras récupérer ce minuscule et ce... voilà, le truc de verre qui est pas là. Trois chiards en moins. Ils vont tous puer. Non, ouais. Ouais, non, mais toi, c'est différent. Tu vas te pisser dessus. Ouais, c'est ça. Va pisser! Sinon, de toute façon, tu vas mettre 10 ans à avancer. Alors, j'ai re un problème de poubelle. Hein. Tout va bien. Si tu sers à rien, tu me vides la poubelle. Dépêche-toi. Oh la vache. Allez, les filles sont à l'école. On est tranquille là-dessus. Lui, il y va.
Ah, oh, quel calme. Ah, la journée de la coupure d'eau! Bien sûr, hein? Bien sûr! Bien sûr, on va laisser les ordures comme ça, voyons. On espère que ça va pousser, hein? Ça serait sympa. Quelqu'un a déjà essayé d'améliorer toutes les compétences de son Sims au max. Perso, plus j'avance, plus c'est long. Ah, non, c'est normal! C'est normal d'apprendre de mettre plus de temps sur les derniers points, parce que c'est comme dans la vraie vie. Plus tu vas apprendre sur un sujet, les premières infos que tu vas avoir, tu vas en avoir beaucoup, parce que tu te connaissais pas au début, donc tu vas en avoir beaucoup, donc tu as l'impression d'avoir beaucoup de choses qui arrivent d'un coup, donc ça va vite. Mais plus tu vas approfondir, plus il faudra que tu cherches et que tu galères à apprendre des nouvelles choses. C'est normal. C'est comme ça que je vois. Ça y est. Laisse ton gosse tranquille. Qui c'est qui est mort encore? Ah non. Allez, contrôle des émotions. C'est pas grave, ils vont faire leur devoir, le coup, ça ira mieux. Gabriel, on va ignorer. C'est ça, Dan, va travailler. Quel bordel! Mais sinon, non, j'ai jamais essayé de monter au max toutes mes compétences sur un Sims. Il pue. T'as encore du temps, toi, devant toi, pour avant d'aller bosser? Ah, tu bosses pas! Ah, allez! Donnez un bain à Fox. Y a pas d'eau, en plus. Je vois quand tu as donné un bain alors qu'il y a pas d'eau, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Oh! Il admire le portrait de Pulcote! C'est vrai qu'on a oublié que les portraits étaient là, hein. Il admire le portrait de Pulcote. Oh! Oh! Ouais. Que c'est beau, hein! Non, je le surveille parce que sinon il va faire des conneries. Il a faim. Putain, mais ces gosses. C'est des gouffres sur pattes. Tiens, bouffe ça. Après, tu joueras. Puis en plus, il a fini. Bon, Lila! Au lieu de glander, là, fais la vaisselle un peu. Range. Nettoie. Allez. Une fois! Ça va vous rappeler le Legacy, hein? Alors, une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois. Six fois. 7 fois. 8 fois. 9 fois. 10 fois. 11 fois. Non, Tyrion, c'est pas pour toi ça. Oui, Miam, mais c'est pas pour toi. Bon, ok. On a de nouveau le gros problème sur les ordures. Pour changer. Et je t'ai demandé de faire le ménage en fait, hein, Gertrude. Tu vas le mettre sur Plopsy, tu vas le mettre sur Plopsy, tu vas le mettre. Souffrir à la vente depuis quand? Pourquoi? Elle est pas là? Pourquoi offrir à la vente? Tu vas mettre sur Plopsy? Tu vas mettre sur Plopsy? Tu vas mettre sur Plopsy? Qu'est-ce que c'est? Mais. Toi, la mettre sur tout sur Plopsy. Parce que faut que t'arrêtes là! Tu glandes là! Tu fous rien de tes journées là! Putain, j'ai encore des ordures là? Mais c'est quoi ça? C'est des ordures qui se reproduisent? Oh, Hélène! Il y a un enfant qui s'appelle Hélène dans ce challenge. Oh super! J'ai déjà quelqu'un qui veut acheter. Trop cool. Hop. Oh putain, mes gamines elles puent. Ah! Mais il y a des ordures partout! Mais quel est le fuck?
Mais c'est quoi ça? C'est. Mais quel est cet enfer? Ah putain, il n'y a pas d'eau. Ben, je m'en fous, faites vos devoirs. Hein. Alors là, franchement, je suis arrivée à un stade, j'en ai plus rien à secouer. Ah, c'est cette chose-là qui s'appelle Hélène. Merci, Ether Wastaken, pour ton follow et bienvenue. Voilà, les yeux bleus. Ouais, ok, Hélène, ok. Et merci, Johan, pour ton follow également et bienvenue également. Comme quoi, le fait que je m'énerve, ça passe encore. Se disputer. Non, tu vas pas te disputer. Pourquoi tu veux être méchant? Qu'est-ce que tu fais, toi? Fais le ménage, t'as raison. Ok. J'ai compris. Non, mais j'ai compris. Ouais. Vas-y, râle, t'as raison, tu peux me transformer ça en... Voilà, tu me fais plein de tas partout et je m'en sers. Je me le fais moi-même. Parce que t'as l'air d'être un peu conne. Voilà. C'est Gara. Oh non, non, Kinem, tu peux pas faire cet affront. Hélène, pour dans les Sims, si j'en ai qu'une, hein, des Hélène. Hein, c'est la plus belle des Sims du monde, alors... Bon. Tu peux pas me faire cet affront, Kinem. Je suis obligée de te ban, là. Je suis obligée. C'est la misère. Non, mais j'en peux plus. Non, mais si! Avec le Legacy, quand on était à Sulani, à chaque fois, pour faire la vaisselle ou pour les ordures, c'était je cliquais une dizaine de fois, il ne le faisait pas. Et ça s'était réglé une fois en déménageant, mais là, c'est revenu, ça y est. Putain, là, cette salope. Je comprenais pas pourquoi tu comptais. Bah pourquoi pas? C'est marrant, non, de savoir à quel point on galère à faire un ménage. Tiens, arrête de jouer, ta mère va t'apprendre les opos. Voilà, responsable. Bah je sais pas moi. Tu peux pas te laver, tu dois attendre. Donc tu vas puer, écoute. Voilà, tu vas pas faire une sieste, non? Je ne crois pas. Bon, allez, Timou. Qu'est-ce que t'es grand, Tyrion? T'as trop grandi. Il a juste une taille normale de chat, mais moi, je suis pas habituée. Ah bah. Oh! Mais elle était pas mariée, la vente. Oh purée! Ça y est, la Vande va aussi avoir un oubou! Oui, mais c'est pas grave, ça, Nani, elle est fonctionnelle en fait, c'est aucun souci sur la poubelle. C'est clairement parti d'enfer. Ah non, mais là, c'est un bordel, là, je. La semaine dernière, ça allait très bien sur cette partie. Ça allait très bien, on n'avait pas de problème. Non, pareil, Valushkaya, tu vas mériter un ban parce que là, c'est pas possible, hein. N'insultez pas maman Hélène. Bah la vente d'un mec, elle est mariée. Un Vaughan, je ne sais pas qui, hein. Eric Vaughan. C'est nouveau, il y a tout à l'heure, on a vu personne dans le... Qui est Eric? Ah ouais, il a déjà deux gosses, hein. Bon, moi, il est fertile, hein. Et c'est Christian. Alors, elle a eu quoi? Une fille, Charlotte. Voilà, Prune est enfin maman. Va, ça te dérange pas de foutre en l'air notre devant là? T'as pas envie de faire chier le monde, toi? C'est bien. C'est agréable. Qu'est-ce qu'il y a, la vente? T'es dégoûtée d'être enceinte ou quoi? Ah bah dis donc, hein? Depuis quand? Bah j'en sais rien moi, tu m'en poses des questions.
Je me souviens pas les avoir fait ça la dernière fois. La vente est bien pleine. Enfin, tu t'es fait engrosser. T'as réussi à trouver un mec qui supporte te voir te bourrer la... Hein? Tu viens de lui toucher, en fait. Mais bon. Alors, elle a un petit garçon. Voilà. Vous saurez. C'est décevant, hein. Tu pourrais la quoi, ton avis? Alors, racontez des ragales. On sait quand cette fin de... j'en ai marre de ce... On peut pas encore faire l'abrogation, là. Oh, c'est bien! Par contre, elle arrive à faire la... à débarrasser la poubelle. Ah, super! Bon, pareil, hein, tu pourras pas trop te... Voilà. Tu vas dire bonjour à la vendinette et tu vas regarder le film. Il a eu une promotion encore, lui, mais je fais pas exprès! Il arrête pas d'être promu! Il a été promu lieutenant-colonel et gagnera désormais 60 simflous de plus par heure, soit 179 simflous de l'heure au total. Plus un bonus de 1790 et un robot d'entraînement B64. Modifié. Et la médaille de la discipline. Waouh! Mais il est à quel niveau, lui? 8! Je te dirais qu'elle a bien été bourrée. Ah ouais, voilà, jusqu'au col, hein! Oh, regarde, la même sa jupe qui en peut plus, qui est en train de... Oh, dis donc, sacré Danny, hein. C'est un film de boule qui regarde. Il y a eu la musique. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête pas de vider toutes les poubelles. Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre gosse? Allez, empile. Tu grandis quand, toi? Dans un jour! Fichtre. Élu dans 3. Bon, je pense qu'on se gardera l'anniversaire de Copper en adolescent pour la semaine prochaine. Il s'entend bien avec sa belle-sœur, quand même. Non, mais toi non plus, tu vas pas dormir. Ils sont dégueulasses, ces gosses. Bah oui, moi je savais pas que c'était la journée dans son zoo, là. Il nous casse les burnes un peu. On a le machin qui est là, il nous sert à rien du tout. Bon, est-ce que t'es fertile, mademoiselle? Parce que dès que notre copper sera en âge, si t'es pas trop moche... Quoi? Ah non, pardon, c'est plus l'aspiration de Bordeaux, excusez-moi. Ils éduquent les enfants avec un film pour adultes, c'est ça. Non, je sais pas, vu la musique, c'était un peu bizarre, tu vois, comme programme. Musique, quoi, s'il vous plaît. La reproduction naturelle. Ah, des vieux. Ah, des vieux qui sont des... Ah, c'est sale. Ça, ça bouffe, ça bouffe. Tu la connais, Hélène? Vas-y, présente-toi, hein. Sois poli, hein. Polycarpe. Toi aussi, viens bouffer, toi. Mais c'est quoi, ces gamins? Non, je veux pas que tu dormes. Tu dors la nuit. Il y a que petit Fox qui est mignon pour l'instant. Les autres, ils putent. Les autres, ils putent. Ah, j'en reviens pas. Prune et Lavande qui sont maman, quoi, bientôt.
D'abord la théorie, après la pratique, c'est sale. Je viens seulement d'arriver, je reviens des cours, j'ai manqué beaucoup. Oh oui, Némésiel, coucou à toi. C'est un peu le live de l'anarchie là. Et c'est, ils sont horriblement en train de m'emmerder tous, si tu veux. Mais lui, ça va, il peut s'amuser en fait, il peut jouer. Mais tu l'es, mais où t'es joué? Putain, mais l'autre, elle nous repeint encore tout le sol. Viens jouer avec émotion, parce que t'as besoin de jouer là. Sinon, c'est le bordel. C'est le bordel, les gamins. Les gamines sont méga crades, il y a un problème de poubelle. Mais par contre, si je contrôle pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les poubelles. Hein, mais quand je les contrôle, ça passe pas. Ça passe pas, pardon. Je peux toujours pas prendre de bain. Mais mange-toi, je t'ai dit de bouffer! Tu me casses les... Hey, prends des restes, dépêche-toi. Là, j'ai de focus, hein, fais gaffe. Oui, ça y est! Oh, ils peuvent se laver. Attends, je sais plus. C'est elle. Alors, tu vas aller là-haut, toi. Hop. Tu vas faire pipi et tu vas prendre une douche. Oh, la vache! On peut enfin se décrasser. Toi. Non, mais toi, qu'est-ce que tu vas dormir, déjà? Je t'ai pas dit, hein. Je t'avais dit de jouer. Qu'est-ce que tu vas dormir? Tu vas aux toilettes, là. Tu vas prendre un... Je pensais pas qu'il était sale. Il allait bien, là. Pourquoi il pue, d'un coup, lui aussi? Elle mange, elle ira faire à se décrasser après. Là, ça va là-haut. Ok. C'est bientôt l'anniversaire de Fox. Quatrième gosse qui pue à gérer. C'est super. Même pendant que ça discute, là, les parents n'ont rien à foutre. Mais bon. Ça a l'air d'être une guerre, cette génération orange. Non, mais surtout mon jeu qui est buggé. Et du coup, c'est encore pire. Elle a pas un beau profil, je suis pas sûre qu'elle soit belle en étant grande. Maman, elle a 10 en éducation, elle va te le remettre en 4. Hurler. Ça va, Titi Moon? Et elle va refaire à manger derrière. Une boulette de viande. Petit con! À force de gueuler comme ça, tu m'étonnes que mes voisins ils croient que je les insulte eux. Patty! Regardez-moi ça, ça fait du bien là! Non, c'est elle qui est sous la douche. Toi, tu vas te faire une sieste avant là. Après, tu pourras aller te laver. Ouf, on va y arriver. On va y arriver. Parce qu'en plus, il nous coupe là-haut, en plein milieu de la semaine. Alors forcément, ça devient n'importe quoi. Zen. Non mais, toi, commence pas à t'endormir dans le bain. Oh putain. Allez, ça suffit, tu sors du bain. Tu vas être piété. Et après, toi, c'est au lit. Toi, tu vas te lever. Tu vas te doucher. Tu iras pisser. Oui, c'est bon. J'ai compris que tu puais. Oh, la vache! Le bordel. Et lui? Ah ben, d'un seul coup, il pue aussi. Bah, c'est vrai qu'il puait déjà avant. Va prendre un bain de mousse tout court, toi. Tira... Pisser et tira manger. Oh, non, alors déjà, je t'ai dit de prendre un bain de mousse. Faut être zen, hein, je vous le dis, moi, faut être zen dans cette partie. C'est de la zen attitude. Hein. Nasoko, vous êtes très calme dans le chat. Hein? Vous avez peur, hein? Non, mais c'est bon, là, ça revient dans les clous, là. Même si Lila, on s'en fout, bon, c'est la seule qui reste réveillée encore. Hein. Ouais. Allez, salut, Violaine, à la prochaine. Puis elle a crassé toute la... Tu viendras nettoyer la douche, tiens. Ça t'occupera.
Elle a tout crassé! Et la douche et le chiotte! Mais quelle dégueulasse cette gamine! Non mais franchement, là, on n'est pas dans une porcherie, hein! Heureusement que Lila, elle peut réveiller, elle peut rester réveillée toute la nuit, hein! Voilà, lui il est tout bien. Hop, et puis après tout ça, t'iras te pioter aussi. J'hésite. Est-ce qu'on arrête maintenant ou on continue? Je pense qu'on va se faire encore une journée maintenant que je les ai bien remontés tous. C'est pas ça que je voulais voir, je voulais voir. Il grandit dans 2 jours, donc oui, ça devrait être bon. Encore une journée, et puis. Et ce sera bien. On te regardera, j'ai. Ah, t'es au chasse au CC pour Lord and Lady. Toujours je mange ma bonne app. Concentré sur le live, très bien. Mais d'où elle prend un bain elle d'ailleurs? Non mais oh ouais, oh, oh la facture d'eau là! Grognasse! Fais le ménage! Pintade! Oui, je voulais dire pintade, c'est marrant comme nom, pintade. Ce mot est sympathique. Tiens, il y a encore des assiettes. C'est bon? Mais écoute, tu peux tricoter, moi je m'en fous. Vas-y, tricote des trucs. Allez, tricote. Objet tricoté. Vêtements. Et des grenouillères pour bébé. Prochaine génération, c'est la rose. Là, il y a du rose. Cornet de glace. Allez, tu vas m'en faire. Deux, parce que nous serons obligés d'avoir des jumeaux. Comme ça, elle va les offrir à son héritier. Je prépare déjà l'avenir, moi. Parce que la semaine prochaine, on aura déjà notre premier adolescent. Donc, on va commencer à travailler sur ses compétences. Voilà, quoi. Ces Sims sont dissipés ce soir. Oh, dissipés, c'est pas le mot. C'est vraiment casse-couilles, j'aurais dit, moi. Toujours là aussi. Tant mieux. Et à niveau 9 de tricot. Bon, c'était pas demandé, hein, comme on en a déjà complété la. Ah bah voilà, elle est blasée, madame. Souvenez-vous, à l'époque où elle faisait du tricot et elle détestait ça, et puis d'un seul coup, elle faisait que ça. Fox a très faim. Ouais, bah Fox, il me casse les couilles aussi. Il a qu'à fouiller dans la poubelle. Il trouvera bien quelque chose à bouffer. Quoi, c'est déjà le matin? Oh, vache! Ah, trop vite. On n'a même pas le temps de dire ouf que. Ils sont déjà sortis du lit. Cours de Copper. Ah, attendez, il faut que je gère les 3 gamins, sinon ça va être l'enfer. Elle, ça va. Elle a faim, donc tu vas aller manger. Voilà, une boulette, des boulettes de viande. Ah, et lui. Tu vas te réveiller. Tu vas jouer direct. Voilà, tu vas jouer avec moi. Joue, joue, joue. Petit thug, joue. Voilà, ça va remonter. De toute façon, tant que sa sœur n'a pas été servie dans le frigo, il pourra pas y aller. Ah, il est en train de jouer et ça ne marche pas. Ah non, mais il passe plus son temps à se plaindre qu'à jouer en même temps, cet idiot. Donc, qu'est-ce que je fasse, moi, au bout d'un moment? Ah, ça y est, ça monte. Vous aussi, quand vous jouez avec un nounours, vous êtes tellement bête que vous vous foutez dans le pif, dans l'œil. J'espère. Envoyez-moi des vidéos. C'est bon, elle mange? Elle va pas manger. Non, c'est bon, t'iras pas à l'école. Allez, c'est vert, va manger. Sous l'océan, le sunset. Je vois le rayon vert maintenant. Et l'horizon me tient tête. J'ai voulu regarder plus souvent. Et le jour m'a vraiment demandé. Et je ne sais vraiment le chanter. Ouh, oh, puisqu'il le faut. Des jumeaux et tu dois faire quoi si tu en as qu'un? Il faut tricher, si besoin.
Donc, quand notre femelle de la génération qui va pondre les roses, je ne sais pas si ce sera une de nos filles ou la copine de nos fils, eh ben, je regarderai avec le MCC. Et je modifierai s'il faut. Il est marqué qu'on a le droit de tricher s'il faut pour avoir des jumeaux. Ou alors je mets simplement le trait alignement cosmique et on croise les doigts. On verra bien. Copper a reçu une amende. Comment sérieusement me casser les noix? Je vous le dis. Là, tu vas aller travailler. Et elle a pas dormi de la nuit. Elle a tricoté. Qu'est-ce que tu tricotes? Puisqu'il le faut. Longtemps, je n'ai pas écouté Izia, moi. Je suis en train de me dire. Mais oui, va aller en cours. Oui, va en cours. Va en cours, t'as fini de bouffer. Et... Crétin des bois. Horrible. Heureusement que tu as le droit de tricher pour avoir des jumeaux, sinon je n'imagine pas la galère et le nombre de gosses que la cimette devait reprendre pour y arriver. C'est ça! Mais ouais, on a le droit de tricher, donc bon, après, s'il n'y en a qu'un, ben... Je sais pas. Je sais pas comment on fait. J'ai oublié, j'ai pensé qu'il y avait une astuce comme les cartes. Bah, il y a une astuce logiquement, mais moi ça a jamais forcément marché. Il y a une histoire de faut écouter telle musique, manger des pancakes, je sais pas quoi, mais moi je suis pas sûre que ça ait marché. Hein. Oui, il y a le trait de terrain, c'est ce que j'ai dit. Au pire, on met que l'alignement cosmique. Ou alors le MCC, je sais pas encore trop. Et va taffer. Oh, câlin, mon fils! Vas-y, fais un carin câlin. Je vais prendre une photo comme ça pour la miniature. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose. Ah, tu fais le câlin en hauteur, toi. Tu fais exprès pour m'emmerder, en fait. Voilà. C'est la passation entre la prune et la orange. Et les traits fertiles. Ouais, mais si c'est pour avoir des triplés à la passe. Alors les fertiles, il est cher, hein. Je pense pas qu'on aura les points pour leur faire faire. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, des mains difficiles. S'excuser, qu'est-ce que t'as raconté à ton gosse, toi, encore? Bah, et donc, elle aura jamais été aussi proche d'un de ses gamins qu'avec le petit dernier, parce qu'il est tout seul. Alors, tu vas servir le brunch. Des omelettes. Bonnes omelettes. Une fille, un gars. Ouais, je sais pas, hein, moi, je veux dire, s'il y a un gars, bah, on mettra deux gars. Et si on voit une fille, on mettra deux filles. Je pense que c'est pas mal. C'est un chac. J'en ai marre d'avoir un chac. Hein. Dans le Legacy, c'est ce qu'on a tout le temps. Oui, je sais qu'il y a les traits fertilité. Je sais ce que j'ai dit, mais est-ce qu'on aura assez de points pour l'acheter, pour l'héritier? Parce que ça coûte cher. Hein. Il est pas gratuit, hein. Je sais même pas si elle peut l'avoir par exemple. Attendez, on va regarder. Elle a 2490. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Alors, le trait. Il a 3000 points. Donc déjà même Lila, elle peut même pas le prendre. Alors qu'elle a réussi une aspiration. Non, c'est pas 10 000. Il y a le massage de fertilité avec le spa. Ah bon? J'avais même pas. Quel calme avant la tempête.
Ah, Niebni! Oh, Fox, il va grandir, Bichette. Pourquoi il a responsabilité zéro? Enfin, ça, pourquoi ça descend, sa responsabilité? Elle a fait à bouffer. Quel calme! Quel bonheur. Oh, arrête d'être blasée pour rien, Lila. Tu me casses les noix. Plus ça rime. Et ça fait quoi si t'as pas de jumeaux? Bah, il faut que tu les aies. Point barre. T'as pas le choix, en fait. Bah, tu recommences. Je sais pas, t'effaces l'enfant et. Et t'en refais. Je sais pas. Oui, j'ai déjà dépensé, ouais, c'est vrai. J'avoue. Production Trevor Verily. Poudre, pouf parfait. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. On gagne de la thune! De la moula! On gagne de la moula! De la moula, de la moula, de la moula, gaga! Ah, mais c'est l'été en fait, c'est la canicule, j'avais pas fait gaffe. Non. T'as qu'à passer toi. Ah non. Ah, tu pourras enlever la nourriture, regardez. C'est bon, non, on n'a pas. Plein de trucs là. Mais elle va jamais bosser, Lila, ou comment ça se passe là? Elle était 2 jours en congé. Sunset a rencontré Marc à l'école. C'est trop bien ça! Mais d'où t'es tendu, toi, t'es cassé couille, hein. Vas-y, tu vas. Rien que pour la peine, je vais te faire réviser en plus, tiens. Tu feras les pieds. Voilà, ils sont retournés à l'école. Les enfants orange. La 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 la. Ah bah toi, tiens, tu vas faire le ménage. Je sais, je peux encore relooker la petite Sunset, hein. Ah, on va le faire après, je pense. Voilà, chacun fait son. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce que tu vas parler aux gens? T'es pas bien. Tiens, tu vas prendre ça. Pour Iowa. Si tu trouves un calcaire commun ou un cristal commun, tu le donnes à Iowa. Toi, tu kennes jusqu'à tes grumeaux. Bah non, mais est-ce qu'il faut pas les garder, je pense? J'en sais rien. J'allais dire crime, elle a bien réussi, mais elle a tout le temps des jumeaux. Oh, elle est un petit peu fatiguée, Lila! Ah bah dis donc, c'est fou, ça. Viens méditer un coup, tiens. Oui, il a dit Iowa aussi, lui. Bon, tu t'amuses, après tu feras tes devoirs, mon petit. Toi, les devoirs, et toi aussi, les devoirs. Ça, c'est fait. Tout le monde fera ses devoirs. Cooper grandit dans 2 jours. Et lui, dans 0. Et Lila médite. Méditerranée. Voilà, au début, c'était un peu chaotique. Là, je commence à être comme Lila. Être un peu plus zen, je vais commencer à m'élever comme ça. Tu peux en faire deux et le deuxième, tu le passes tout de suite bambin pour faire genre. Non, faut que ce soit des jumeaux. Je pense pas, on va finir la journée là et ce sera pas mal, on aura bien avancé. Enfin, bien avancé. Ça aurait été un épisode de entre deux. En attendant que les adolescents arrivent, parce que sinon c'est pas intéressant, on peut rien faire quoi. La TV pour enfants, ça marche aussi pour les jumeaux. Ah bon? Ouais, il paraît, ouais. C'est moi, on voit la forme de sa moula. Oh! Voilà, tu vois plus rien comme ça. On va regarder sa tête à elle. Oh là là! Vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. C'est le pantalon qui fait ça. T'as fini tes devoirs, Jean-Claude? Ils sont où ces devoirs, ce con?
Non, 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 tu fais tes devoirs. Eh oh, Copper, ça ne va pas du tout, cette histoire, hein. Je te surveille. Autonne, elle a fini, elle. Et maintenant, elle peut s'amuser si elle a envie de s'amuser. Eh ben, elle a pas de cadeau, elle a pas de jouet, elle. Oh, putain. Eh ben, elle joue. Vas-y, joue avec émotion. Elle ira manger. Et après, elle pourra jouer. Ah! Et lui, il pue. Ne dors pas, de toute façon, toi. Maman, bah tiens, tu vas laver ton gosse. Maintenant qu'on a de l'eau de dispo, on peut enfin relaver les gamins. Voilà. Et papa, lui, est en train de gagner sa croûte. On est quand même remonté à presque 4000 simflouz au niveau des... Hein. Donc c'est pas mal, au final. On a frôlé la catastrophe. Je te rappelle que je prends des antibiotiques, ça aide pas. N'importe quoi. N'importe quoi, petit Jésus. Je ne savais pas que prendre des antibiotiques faisait voir des choses bizarres sur les Sims. Mais pourquoi pas? Elle a besoin de... Elle a besoin de... Hein? Sans prise au piège. Ouais, bah, je suis désolée, t'es mariée, hein. Mais elle a besoin de danser, elle. Yes, 1400. Contrôle les émotions. Ah, oh, grâce à lui, on va être riche. On va être richou. Alors, tu vas venir te détendre devant la télé. Après, tu pourras manger si tu veux. Donc, tous les marmots sont occupés. Regardez, ils sont tous là, les marmots. Mais que sont mignons. Lequel d'entre vous sera élu héritier? Nous ne le savons point. Point, point, point. Pour l'instant. C'est fait. Ah, elle va voir son père. Elle va bouffer. Non, tu vas pas dormir. Non. Tu vas bouffer aussi. Eh, tu peux pas parce que ta soeur y va. Fais le ménage. Ah, papa est rentré, trop bien. Non, non. Tu vas... Toi, tu joues, je t'ai dit. Bah les gamins, ils savent faire le ménage. Et puis il est là. Il est tout mignon. Merde, tapis. Il est tout beau, mais genre, il est trop fier dans son petit costard. Vas-y, joue. Il faut juste attendre. Hein. Ouais, attends. Elle va manger, t'as raison, voilà. Voilà, une belle petite famille réunie, hein. Elle a chaud, hein. Elle a chaud, la Lila. Ah, encore la musique un petit peu bizarre. Pas de soucis, Valushkaya, bien tal. C'est ça, ils sont mignons. Elle a chaud, Lila. Quand elle mange comme une grosse dégueulasse. Mais c'est comme ça. Ils s'embrassent à la télé, du coup ils s'embrassent aussi dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je me suis trompette. Sarah Little. Ok, fin numéro. Oh, ils sont chauds, 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 la braise. Chaud, la braise. C'est bien, regardez, ils sont tous heureux, là. Il n'y a que lui qui a du mal, encore, hein, à se divertir. Mais ça remonte tout seul. Hein. Toi, tu vas te laver, et toi, tu vas aller bouffer. Allez, plus vite que ça. Et le petit bichou, là, il va parler un petit peu, là. Il va parler avec ses frères et sœurs. Quand même. Ah, dis donc, vous êtes beaucoup. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore
follow et vous n'hésitez pas à follow, hein. Aucun problème. C'est gratuit. Et c'est sympa. Vous pourrez voir la suite du Not So Berry Challenge. On a fini la génération prune. Et on va commencer la orange bien la semaine prochaine avec Copper puisqu'il deviendra adolescent. Pour l'instant, ben, on va finir tranquillement la journée avec eux. Non. Non, tu arrêtes avec ton gâteau. Jean-Marc, tu vas bouffer ta boulette. Et tu arrêtes avec ton gâteau. Je te le dis. Fais gaffe, hein. T'as beau avoir être un soldat, lieutenant-colonel, tout ce que tu veux. Quand je veux, je te tue. Quand je veux. Tu m'as fait des enfants, ça me suffit. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Un petit tour sur la couette pour finir. Bah, peut-être. Après, on va encore dire que je suis obsédée avec ça. Mais bon, Madame, elle est trop fatiguée. Elle est partie dormir dans le bain. On a 5000 Simflouz. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce qu'on est riche. C'est sûr que c'est pas vraiment grâce à Lila qu'on est riche. Hein, parce qu'avec sa fusée, laisse tomber. Hein. Ça nous a coûté bonbon. Mais si c'est sale, tu nettoies. Meuf, c'est toi qui en as foutu partout, là. Et elle est déjà en train de dormir. Non, mais la blague. Bon, allez, j'ai envie de... Ouais, je vais tous les foutre au lit, les gosses. Comme ça, j'aurai la paix. La paix dans le monde. La 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 la. Même le petit. Tiens, le petit, tu peux aller au pot ou pas encore? Non. Papa, tu m'aides à aller sur le pot? Et elle a cassé les chiottes. Allez. Célébrer l'anniversaire de Fox. Oui, monsieur. Ou madame, je ne sais pas qui me parle. Tu vas la remettre au boulot d'ailleurs. Bah, elle travaille déjà. C'est juste que là, elle était en congé. Elle travaillait pas, là, les deux derniers jours. Mais elle a un taf, hein. Elle est niveau 2 en artiste, hein. Elle a déjà été travaillée. Vous suivez pas, hein, franchement. Alors, tu vas faire à bouffer, tiens, pour le prochain Chopino. Ah, tiens, ça, on aura déjà à manger pour la semaine prochaine. Et tu feras le ménage. Ah, ça y est, ça veut plus. Alors, cette assiette, elle veut... Ah, si, elle veut... Un coup, ça va, un coup, ça va plus. Qu'est-ce qu'il est mignon avec son petit costard. Juste pour faire caca. C'est merveilleux. Les enfants sont formidables. Non. Mais lui, dès qu'il bouge, de toute façon, il faut que je surveille. Sinon, tu peux faire ça aussi. Voilà. Une à la fois, hein, les assiettes, hein, faut pas déconner. Hein. C'est trop fatigant, sinon. Bon, allez, Lila. Incroyable hein, qu'on ait fini déjà sa génération, alors que... Elle est encore jeune, quoi. T'inquiète, Alexa. Bonne nuit, Lydie, à bientôt. Du sel, du poivre. Et Fox peut aller sur le pot. Super! De toute façon, ça sert à rien vu qu'il va grandir. Et qu'il est en train de clignoter. C'est merveilleux. Il va faire son petit caca et après, il ira se coucher. Voilà. Ça, on va mettre ça là. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder la télé. Ouais, Fox est en train de péter. Là, je l'ai entendu. Là, ça fonctionne maintenant, les assiettes. Hein. Ça fonctionne bien. Ça, ils sont calmes maintenant, ça fait plaisir, hein. La maison est enfin calme, ça a été le bordel. Ça va mieux. T'as une tête de pot de fleurs. Allez les enfants, là, vous allez pouvoir vous faire un petit crac-crac, là. Ça va être bien. Arrêtez dans tous les sens, on me fatigue. Je vais pas cliquer sur le bon Sims. Faire crac-crac dans la fusée. Non, vous allez faire un petit crac-crac classique, là, missionnaire, un petit, là. Hop. Non, pas de bébé, s'il vous plaît. On en a déjà assez pour cette génération. Ça va être facile, la prochaine génération, avec juste deux. Comment ça, elle est encore crade? Bah oui, parce que c'est endormie dans la baignoire, mais ça va. Elle est pas crade. Elle est pas crade sur elle, ça va.
Tranquille. Non, c'est parce qu'elle s'est endormie dans la baignoire, du coup, ben, elle s'est pas lavée entièrement, cette pimbèche. Allez, un petit crac-crac pour finir! Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, en attendant de commencer la semaine prochaine la génération Orange avec Copper, qui deviendra adolescent et qu'on pourra voir sa tronche en espérant qu'il soit beau gosse, évidemment. Ouais, faire crac-crac. D'accord. Non. Mais et... Le mec, il va encore aller se faire un gâteau. Non, tu te couches. Je puisse enregistrer. Allez hop, j'enregistre. Je me remercie d'avoir regardé cette rediff. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Il y a un petit bug encore une fois. Pour le début de la génération Orange. Des gros bisous à vous YouTube. Et à très bientôt. Ciao.